va passer pour le coup à Fallen Kingdom, mais il me semble qu'avant tout, tu avais un petit truc que tu voulais rajouter sur Jurassic World, et d'ailleurs il me semble que ça tombe un petit peu au-delà de Jurassic World. Oui, bah, en fait c'est juste par rapport encore une fois au parc, du coup je disais que c'est un problème en termes d'émerveillement et tout ça, mais à la limite ça pourrait se justifier, parce que moi personnellement, même si le film, j'ai beaucoup de réserves à son égard, comme vous avez pu le voir, c'est un film que j'ai tenté par tous les moyens quand même d'inclure dans la logique narratif de la saga et même thématique, parce que ben, j'ai envie de trouver de l'intérêt à tous ces films, et en l'occurrence, un que je me suis dit, c'était tout simplement que le parc, certes, il a ouvert, le public a l'air d'être plutôt satisfait, quand bien même ce qu'ont dit les investigateurs du parc, en l'occurrence hier, qui dit que les gens s'intéressent aux dinosaures, du coup le parc a l'air quand même de fonctionner et de créer de plus en plus d'attractions et de nouvelles espèces. Ce que je me suis dit, c'est que ce que Trevorrow voulait montrer dans son film, c'était que l'homme ne sera jamais satisfait de ce qu'il a déjà conçu, et qu'à vouloir toujours pousser ses projets de science, ses obsessions de toujours maîtriser tous les domaines naturels, génétiques, informatiques, de se prendre pour Dieu littéralement, ben finalement ça finirait toujours tôt ou tard par se retourner contre lui. C'est ce que j'ai essayé d'émettre comme réflexion en voyant le film. Le problème, et là j'en reviens pour moi, ce qui est l'erreur impardonnable, définitive, qui pour moi montre que Jurassic World n'est déjà pas en soi un bon film, mais en plus n'est pas du tout un bon Jurassic Park, c'est un mauvais Jurassic Park, c'est que le forage du parc, on va dire en français, on a l'impression, quand on voit le film, qu'en fait l'Indominus Rex a été une nouvelle attraction du film, du parc, pardon, et que finalement, il a fini par, on va dire, déjouer la sécurité et à s'évader. Le problème, c'est que, tard dans le film, on se rend compte que Hoskins et Henry Wu, en fait, étaient une mèche, et que la création d'un hybride surintelligent, surpuissant, incontrôlable, ça, en fait, c'est totalement voulu de leur part, et que, en fait, l'idée de vouloir faire foirer le parc était totalement voulu par ces gens-là, en fait. Donc finalement, même l'échec de Jurassic World, du parc Jurassic World, est à inculquer aux humains, mais de façon intentionnelle. C'est-à-dire que c'est même pas eux qui, sans se rendre compte, sont aveuglés par leurs obsessions, par leur création génétique, et que du coup ça se retrouve contre eux. Non, ce sont eux-mêmes, intentionnellement, qui ont voulu faire foirer le parc. Et d'ailleurs, on le voit brièvement dans le film, quand Tauskin monte sur l'endroit où se atterrit l'hélicoptère de Masrani, il se met du coup en hauteur et il regarde le parc, enfin l'endroit où il y avait tous les visiteurs et qui se font attaquer par les ptérosaures. Je le sens limite qu'il est fier de ce qu'il constate, alors que normalement, si c'est quelqu'un de sain, il devrait être en mode, oh mon Dieu, tous ces gens qui sont en train de se faire attaquer, c'est horrible. Je vais essayer de trouver une solution pour empêcher tout ça, ce qui pourrait justifier pourquoi il veut passer les rapports contre l'Indominus. Et du coup, ça rend son temps totalement débile, maintenant qu'on y pense. Mais bref, passons. Mais non, on voit du coup qu'il est totalement, presque satisfait, en fait, de ce qui se passe. Donc, démontrant définitivement que ce projet était totalement voulu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il appelle Henry Wu vers la fin du film, en lui disant de emporter tout ce que vous avez créé, parce que je veux pas que des avocats tombent sur des choses qui les dépasseraient. Parce que littéralement, ce qu'ils ont fait était purement illégal. Et en l'occurrence, sa création d'Indominus était purement voulue. Donc le forage du parc du Jurassic World était quelque chose d'intentionnel pour moi, et la règle définitive qui brise le thème de Jurassic Park, qui est que l'homme se prend pour Dieu, mais la nature finit toujours par faire régner l'ordre et à faire retourner toutes les créations de l'humain contre lui. C'est vrai qu'on a une écriture du méchant qui est assez ridicule. À ce côté, tu parlais de ce plan justement où il semble dominer le parc et regarde tout le monde se faire massacrer. C'est à peine s'il lâcherait pas un rire diabolique de méchant face à ce qu'il a à son œuvre de destruction. Et c'est vrai que ça le rend finalement assez ridicule. Et puis en plus, ce qui est paradoxal, c'est qu'il a cette figure un peu de gros méchant machiavélique, mais qui pourtant, à l'échelle du récit, en fait, qui n'a aucun poids, duquel finalement on se souvient très très peu. En fait, ce méchant-là n'a que très peu d'importance et très peu de poids et très peu de charisme, en fait. Donc c'est une sorte d'énorme paradoxe entre méchant, machiavélique, grand méchant qui planifie des plans horribles, mais qui en même temps n'a absolument aucun poids dans la narration. Et c'est très très bizarre, en fait, ce personnage de méchant. Et même il y a un paradoxe que j'avais sous-entendu brièvement à l'instant, c'est que pourquoi du coup alors il voulait dresser les vélociraptors contre l'Indominus, sachant que l'Indominus était
son projet ultime, qui, en plus de ça, on apprend qu'il le dit lui-même à la fin du film, que l'Indominus n'est qu'un premier essai d'hybridation qui mènerait à un être plus petit, plus intelligent, plus féroce, en l'occurrence, l'Indoraptor, qu'on verra dans Fallen Kingdom. Donc, du coup, pourquoi vouloir dresser des raptors contre sa propre création, sachant qu'en plus, il sait que sa création, du coup, est une arme de destruction massive. Du coup, il y avait deux solutions. Soit l'Indominus défonçait littéralement les vélociraptors, mais du coup aller bouffer l'armée, soit en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que les raptors finissent par se retourner contre les humains parce qu'ils se rendent compte que l'Indominus est trop puissant et du coup ils changent leur veste, comme on disait précédemment. Tout à fait, ouais. Donc même là, dans ce plan, il y a un truc qui va pas, quoi. Comme je l'avais dit, oui, dans le podcast précédent, moi j'ai quand même un peu d'affection pour le film, mais il y a des trucs que je trouve qui fonctionnent bien. Mais je trouve effectivement que le truc le plus problématique, en fait, en termes d'écriture, avec tout ce qu'on a pu dire avant, mais pour moi, ce qui est vraiment le plus problématique, c'est cette figure d'antagoniste, en fait, qui est assez ridicule, qui est une non-menace quasiment parce que son plan est absurde, qui émotionnellement ne fonctionne pas, et qui va amener finalement toutes les contradictions qu'on verra par la suite. Tu parles du retournement de veste des raptors, ça c'est un truc qui est, je pense, inhérent à l'intégralité du scénario, en fait, et qui trouve son incarnation la plus absurde dans le plan de Skins. Donc, effectivement, je pense que c'est là que le bas blesse principalement, et qui fait que pour moi, je l'avais dit la première fois, enfin, quand on avait parlé de Jurassic World, pour moi, c'est Colin Trevorrow est un mauvais scénariste, il me semble, encore une fois. Et c'est peut-être justement ce qu'on va voir, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, en fait, pour ce qui est de Jurassic World, mais on va pouvoir basculer sur Fallen Kingdom et justement parler de ce scénario qui est un petit peu différent, mine de rien, et qui, toi, peut-être, tu disais, il me semble, off, que ça te faisait peut-être revoir un petit peu l'appréciation que tu avais de la qualité de scénariste de Colin Trevorrow. Moi, j'ai tendance à être un peu plus mesuré et à trouver que finalement, pour moi, c'est la mise en scène qui raconte plus que le scénario. Et je trouve le scénario parfois un petit peu bébête, mais ça, c'est mon point de vue. Mais pour le coup, j'adore le film. Hein, donc voilà, qu'on ne se méprenne pas là-dessus. J'adore le film, mais je trouve que justement, pour moi, c'est Bayona en fait qui remporte la mise, qui arrive à s'exprimer dans un cadre finalement assez bloquant. Mais il arrive justement à l'intérieur de ce cadre à se libérer et à trouver une place de liberté qui fait que le film, pour moi, est très bon. Et j'oserais le dire, c'est pour moi le meilleur opus de la saga après l'original. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais c'est pas, je pense, pour moi personnellement, c'est à l'heure d'aujourd'hui la meilleure suite de la saga, clairement. Même si, encore une fois, je sais qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord avec ça, que pour eux c'est le monde perdu. Moi, pour moi, je suis désolé, le monde perdu, comme j'avais expliqué, malgré qu'il ait une excellente mise en scène, mais j'ai envie de dire que c'est comme là aussi, donc ça c'est équivalent l'un de l'autre. Malgré le fait que peut-être le scénario est un petit peu plus crédible, on part pas dans des délires du coup de dinosaures qui seraient dressés pour l'armée ou je ne sais quoi encore. Par rapport, oui, que le scénario du monde perdu reste, on va dire, dans des chemins un petit peu plus classiques, ce qui fait que la suspension consentie d'incrédulité du spectateur est un peu moins mise à l'épreuve, on va dire. Ouais. Mais je trouve que d'un point de vue thématique, Fallen Kingdom respecte beaucoup plus l'univers qui avait conçu le premier Jurassic Park de Spielberg et par extension les romans de Michael Crichton, qui du coup reste quand même la base même de l'univers, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, comme vous avez pu voir, en fait toutes les suites s'inspirent de près ou de loin des bouquins de Crichton. C'est juste que la plupart en fait reprennent des idées juste d'un point de vue scénaristique. Ils disent oh tiens, il y a cette scène qui est sympa, on va la mettre dans le film, mais ils ne réfléchissent pas qu'en fait la scène dans le bouquin c'était une concrétisation de toute une réflexion qui avait habilement mené à cette scène. Du coup, ben, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des scènes dans Jurassic Park 3 ou même dans Jurassic Park 2, ou dans Jurassic World en l'occurrence aussi, qui en fait reprennent des scènes. Du coup, quand t'as lu le livre, tu fais « Ah, sympa, ils ont repris ces scènes », mais en fait, elles n'ont aucun fond et aucun poids dans le film, en fait. Parce que c'est juste qu'ils ont repris la scène telle quelle, ils l'ont un petit peu adaptée pour le cinéma, mais en fait, elle raconte fondamentalement pas grand-chose au sein du film. Mais ce qui est justement intéressant, je trouve que pour le coup, peut-être pour le comparer à un autre, pour Jurassic World Fallen Kingdom, pour le comparer un petit peu à une autre œuvre cinématographique qui, je trouve, arrive à faire un peu cet exercice difficile d'équilibriste. Je crois que j'avais cité déjà dans le podcast, mais bon, au cas où je ne l'ai pas cité, moi ça me fait beaucoup penser dans le travail de l'écriture, entre autres, hein, mais aussi de la mise en scène, parce que je pense que, encore une fois, Bayona, il y est pour énormément. Il y a ce côté un petit peu comme il y a eu dans le Dr Sleep de Mike Flanagan, où finalement on a deux œuvres finalement qui sont très différentes à l'origine, celle de Kubrick et celle de King, et dans une certaine mesure Flanagan arrive à faire le jeu de l'équilibriste, qui fait qu'il arrive à être cohérent avec le bouquin de King tout en étant cohérent avec le film de Kubrick, alors même que
King disait que pour le coup était le film de Kubrick était une hérésie, une adaptation qui était un contresens total à son œuvre. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive quand même, mine de rien, si tu as découvert que Jurassic World, ou que tu as découvert justement à partir de là l'œuvre, enfin la saga Jurassic Park, ça reste à être cohérent, ça fonctionne, parce qu'on arrive à suivre, il y a quand même une vraie cohérence qui suit le film de base de cette nouvelle saga, en tout cas cette nouvelle opus de la saga. Mais mine de rien, il y a une vraie, et contrairement d'ailleurs paradoxalement à Jurassic World, il y a une vraie cohérence avec l'original. Donc c'est un exercice d'équilibriste qui est hyper bien réussi, qui pour moi, encore une fois, est très très fortement lié avant tout à Bayona, mais qui je pense quand même, faut pas tout donner pour Bayona ou crédit du Bayona. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de la part de Trevorrow qui fait que, alors peut-être qu'il y a une remise en question, peut-être qu'il a progressé, qu'il a avancé, je ne sais pas. Mais il y a une vraie remise en question, mais même ne serait-ce que de ce que je disais, on va revenir du coup plus en détail sur les scènes, les thèmes clés abordés par Phantom Kingdom, mais même d'un point de vue scénaristique, il y a des idées qui ont été rajoutées dans ce film-là, qui sont non seulement cohérentes par rapport au film Jurassic Park, mais qui sont cohérentes par rapport à l'univers qu'a instauré Crichton dans ses livres. Donc, et en plus de ça, des éléments qui avaient été laissés dans les bouquins de Crichton, qui avaient déjà été abordés, et que Trevorrow reprend pour les réadapter dans l'univers des films pour que ça ajoute une dramaturgie thématique. Donc, enfin, pour moi, c'est là que je vois une vraie remise en question de lui-même par rapport à ce qu'il a pu faire sur Jurassic World. Ne serait-ce qu'un truc plus simple, c'est que dans Fallen Kingdom, on recanonise clairement les épisodes de V3, qui font clairement partie de la saga. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il y a ce côté, effectivement, le côté soft reboot a disparu, on est vraiment sur une séquelle pour le coup. Voilà, c'est clairement Fallen Kingdom. Pour le coup, autant Jurassic World pouvait être un Jurassic Park 2, Fallen Kingdom est un Jurassic Park 5. Oui, tout à fait. Tout en étant un Jurassic World 2 en même temps, en fait. C'est pour ça qu'il arrive vraiment à ménager la chèvre et le chou à être ce Jurassic World 2, tout en étant un Jurassic Park 5, effectivement. Donc c'est assez fort, mine de rien, comme exercice de style. Je trouve que c'est quand même... C'est costaud, c'est un exercice qui n'était pas forcément facile, c'était un pari qui n'était pas simple. Là où on l'avait parlé hein, pour Jurassic World, que lui essayait continuellement de ménager la chèvre et le chou, mais il n'y arrivait pas vraiment. Là, on a quelque chose qui arrive à faire quelque chose de cette posture, de cette position très très difficile au sein de la saga, qui est une saga compliquée hein, dans tous les cas. Comme on l'a déjà vu. Oui, le tour de force que fait Bayona ou Trevorrow, ou les deux, c'est qu'ils arrivent à reprendre cette idée de oui, Jurassic World était un film doudou, c'est un film qui est conscient d'être le descendant d'un ancien projet, donc en l'occurrence le parc de Jurassic Park, ben, ça a donné naissance à un nouveau projet de parc avec Jurassic World. D'un nouveau PDG qui se prétend être du coup le dîner Richer en disant qu'il a repris les souhaits de Hammond, chose qui est un petit peu démenti dans Fallen Kingdom d'ailleurs, où clairement Lockwood dit clairement que le souhait de Hammond c'est que ces animaux puissent vivre en paix. Donc t'as à se demander si Mazzani en fait n'a pas menti pour se donner une légitimité de ce parc, pour se donner une bonne conscience. Même si ça reste bancal, je peux l'accepter. D'autant plus que ça amène à de bonnes réflexions par la suite. Et donc du coup, tout le principe de cette suite, c'est d'être conscient de ce qu'a fait Jurassic World, mais en le déconstruisant pour renouer progressivement dans la seconde partie, dans la séquence du manoir, à ce qui faisait vraiment l'essence du premier Jurassic Park, tout en étant dans sa continuité narrative et thématique. Pour le coup, Fallen Kingdom poursuit l'idée que l'émerveillement n'a plus sa place puisque le film va tout simplement sombrer progressivement dans l'horreur pure. Et c'est-à-dire qu'en plus, la force du film, c'est aussi ce changement de paradigme où, pour le coup, il y avait ces problèmes, encore une fois, dans Jurassic World, dont tu as parlé, de l'anthropomorphisme. Là, dans la seconde partie, il y a vraiment un renversement du paradigme. C'est-à-dire que la première partie, les dinosaures sont encore posés comme étant des animaux et on montre justement leur extinction, ce qui est aussi au passage très intéressant parce que, pour le coup, là, il y a cette idée aussi, d'un point de vue pure expérience de cinéphile, de vivre l'extinction des dinosaures à taille humaine en plus, donc c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que cette seconde partie va un peu renverser le paradigme et de l'animal, on va basculer vers le monstre. Et donc tous les éléments d'ailleurs que j'ai pu voir critiquer à droite à gauche qui sont inhérents à la seconde partie, notamment cette séquence avec le grand chasseur blanc qui est interprété par Ted Levine, qui arrache les dents des dinosaures et des espèces qu'il a attrapées. Et il y a ce moment où il va arracher la dent de l'Indominus Raptor. Et il y a ce moment où il y a un jeu de regard en fait avec l'Indominus Raptor qui fait semblant entre guillemets de dormir
d'être endormi ou d'avoir perdu connaissance. Et il y a un jeu de regard où lui essaie d'enlever sa dent, lui ouvre l'œil au moment où il ne le regarde pas, et au moment où il regarde, il ferme l'œil. Ce qui pourrait avoir quelque chose, justement, qu'a trait à l'anthropomorphisme. Mais à ce moment-là, en fait, pour moi, on a accepté que le paradigme a changé, que l'Indominus Raptor n'est plus un animal, mais il est un monstre. Avec tout ce que, toute la charge métaphorique, mythologique, et de toute la question de la volonté qu'il y a derrière, pour le coup. Il est devenu un monstre avec cette volonté qu'il a d'espèce, d'un individu monstrueux, et il n'est plus, en fait, cet animal, pour le coup, qu'on ne peut pas anthropomorphiser parce que c'est un animal. Et je trouve que, pour le coup, ce renversement de paradigme qui arrive à la moitié du film, qui est un renversement paradigmatique aussi en termes de genre, puisqu'on bascule du film d'aventure pur, dans un premier temps, à, comme tu le dis très bien, un pur film d'horreur, qui ramène justement à tout ce qu'il y a chez Bayona à l'origine, hein, parce qu'il a commencé avec L'Orphelinat, qui est un pur film d'horreur gothique. Là, on bascule vraiment dans un pur film d'horreur gothique également, qui se passe dans un lieu, parce que le lieu est gothique, et le lieu vraiment témoigne du changement de genre extrêmement brutal, et qu'en plus ça devient huis clos, etc. Donc, tout ce truc-là, en fait, ce changement, encore une fois, de, je vais répéter le mot, mais de paradigme, de genre, de paradigme à l'échelle du dinosaure, fait que tu peux accepter énormément de choses à partir de là. On n'est plus dans... Le film arrive finalement à s'échapper du carcan de Jurassic Park, et paradoxalement, en s'échappant de ce carcan-là, il arrive à y revenir, il arrive à boucler la boucle, et ça, c'est absolument génial. Le fait que ça se passe dans un manoir, bon, on l'a dit, c'était encore une fois une repompe de l'ancien script de Jurassic Park 4, où une partie de l'intrigue devait se passer dans un manoir, mais Bayona, pour le coup, développe vraiment cette partie dans le manoir, et lui donne un sens au sein du récit. Et d'ailleurs, plus le film avance, et plus sa photographie, la manière dont il gère les cadres, semble de plus en plus sombre, de plus en plus renfermé, jusqu'à vraiment sombrer dans un troisième acte, on sombre vraiment dans l'horreur pure, dans un film d'horreur avec un monstre qui vit dans un endroit restreint et qui essaie de tuer tous les humains à la suite des autres. Et comme tu le dis si bien, l'Indoraptor est un pur monstre. Il faut pas essayer de rationaliser véritablement son comportement. Il n'est que la concrétisation ultime des dérives génétiques. En l'occurrence, c'est un hybride d'un hybride. En fait, c'est de l'ADN d'Indominus Rex qu'on a collé avec de l'ADN de Velociraptor, voire même d'autres ADN qu'on serait pas au courant, ce qui pourrait expliquer certains comportements qu'il aurait, notamment le sourire qui est un petit peu trop humanisé. Oui. On ne sait pas de quoi il est composé véritablement, et justement, Bayona joue sur toutes les vocations monstrueuses que ce monstre peut nous faire ressentir à son égard. Et effectivement, il ne faut pas essayer de rationaliser son comportement, parce que ce n'est pas un animal, c'est un pur monstre. Un monstre qui vit dans un décor purement urbanisé. Donc, encore une fois, on est dans cette idée de la continuité de l'homme qui essaie de surpasser la nature. On est dans un décor purement humain, puisqu'il n'y a plus de végétaux, plus rien, on est dans un endroit bien restreint, bien cerné par les humains, mais qui, du coup, progressivement, c'est un film, vu que c'est un manoir et que Bayona va jouer beaucoup sur son décor, c'est-à-dire sur la météo avec la pluie, les orages et tout, on sombre dans un décor humain qui devient de plus en plus déshumanisé d'une certaine manière, puisqu'on sombre dans le film d'horreur gothique avec un monstre qui est une dérive génétique absolue. Donc, il y a une logique dans la gestion de son décor et dans la gestion de sa créature qui est dans la continuité de Jurassic Park, tout simplement. Et dans la production design, il y a quelque chose parfois qui m'a fait penser immédiatement ce à quoi j'ai pensé en voyant le film, en fait, quand j'ai vu au cinéma à l'époque, c'est qu'à ce, à l'époque, il y a 3 ans maintenant, 4 ans, j'avais vraiment ce côté où moi, il y avait quelque chose qui était très proche de ce qu'on trouve en termes de production design dans Resident Evil, en fait. Je parle du jeu, bien sûr, où il y a ce manoir gothique en haut qui ramène finalement, qui a toute une charge mythologique, qui a toute une charge qui ramène à un passé parce que c'est un vieux bâtiment, donc un fantastique qui est plutôt un fantastique qui vient encore une fois de quelque chose qui vient de l'origine, du passé, on remonte dans le temps. Et il y a ce sous-sol, exactement comme dans Resident Evil, qui est pour le coup high-tech, qui a quelque chose de la question du renversement du mythe en science-fiction, qui est où le mythe n'est plus un mythe qui vient du passé, mais un mythe à venir. Et je trouve qu'il y a cette manière, un petit peu comme dans Resident Evil, encore une fois, de faire ce lien entre la SF, tout en reprenant contact avec ce fantastique gothique à l'origine, et tout ça est finalement incarné par le lieu, puisque pour le coup, moi, il me semble aussi que le manoir est vraiment traité comme un personnage à part entière, qui est l'hybridation, qui est un hybride, comme l'est l'Indominus Raptor, de pendant du fantastique, de pendant de l'horreur, de pendant de la SF pour le coup, parce qu'il y a, enfin, un pendant de la SF pour le coup, qui est finalement ce lieu où se réunissent
fantastique gothique et SF avec tous les questionnements autour de la génétique. Et je trouve que ce truc-là, en plus, trouve une autre incarnation dans ce face-à-face entre cette petite fille, alors qu'un truc qui est fondamentalement très présent dans la filmographie de Bayona, le lien entre l'enfant et le monstre, je pense à Quelques minutes après minuit, qui est quand même peut-être la plus belle incarnation de ça, où on traite oui. vraiment ces deux-là, ces deux éléments-là, comme étant les deux facettes d'une même pièce, finalement, puisque les deux sont l'un et le reflet inversé de l'autre, en fait, finalement, parce que les deux sont des monstres, parce que là, on va se coller, hein, les deux sont des monstres, et ils se retrouvent finalement confrontés, posés dos à dos, pour le coup, et c'est ce qui va permettre de rendre très très crédible le final, dans la réaction que va avoir la petite fille, justement, qui se voit dans ces êtres aussi monstrueux qu'elle, créés par la génétique, qui sont les résultats des déviances de la génétique, et elle va leur offrir la liberté, comme elle, au passage, était aussi captive, dans une certaine mesure, au sein de ce vieux manoir, donc c'est génial, enfin, moi je trouve ça génial. Elle revendique sa propre identité, c'est-à-dire oui. qu'on lui a menti durant toute son enfance de ses véritables origines, et en l'occurrence, à la fin, en voulant libérer ses dinosaures, bon déjà il y a un rapport purement émotionnel, puisque ben, c'est une fan de dinosaures, elle est oui. passionnée de ça, de voir ses animaux souffrir devant elle, ça devait déjà être une torture émotionnelle pour elle, tout simplement. Mais aussi, du coup, comme tu le dis, en appuyant sur le bouton, en leur donnant la liberté, elle revendique sa propre liberté, elle aussi son droit de vivre, même si elle n'est pas humaine et quelque chose de naturel en tout cas, vu que ben, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Planet Dog, elle est une clone. Mm. Et une clone, elle est une création purement humaine, c'est-à-dire que c'est son grand-père entre guillemets qui en fait avait une fille, qui cette fille est décédée dans un accident de voiture, et on apprend au sein du film que ce qu'on pensait être sa petite fille, à Lockwood, donc ici la fille de sa fille, en fait, Maisie, est en fait une réincarnation de la mère de Lockwood. En gros, il a pris le cadavre, littéralement, pour être cadre, il a pris le cadavre de sa fille, et il l'a recréé par le biais du clonage. C'est intéressant, parce que pour le coup, c'est quelque chose, moi, pour moi en tout cas, tu me diras ce que t'en penses, mais moi, il me semble que c'est quelque chose qui n'est pas montré de manière aussi radicale que ça, effectivement, mais ça instille quelque chose d'extrêmement noir, de quelque chose de quasi malsain, qui flirte avec des trucs quand même malsains, même si, encore une fois, ce n'est que dans l'idée et pas dans les images. Parce qu'effectivement, ouais, là, on montre aussi les déviances et les dérives de la chose, parce que finalement, l'acte de... C'est Lockwood, hein, il me semble, le vieux monsieur, j'ai un trou de mémoire sur le nom. Pour le coup, Benjamin Lockwood, ouais, tout à fait, qui a une démarche finalement assez malsaine, en fait, dans ce truc-là. Il y a tout ce lien, tout ce truc-là entre l'enfant et la mort, qui est encore une fois quelque chose d'extrêmement récurrent chez Bayona. Donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre qu'est Jurassic Park, je trouve que c'est un truc que Bayona finalement arrive à investir. Alors encore une fois, possiblement, c'est des choses qui possiblement sont les idées certainement de Colin Trevorrow, mais je trouve qu'il arrive, mine de rien, c'est étrange, c'est pour ça que j'ai du mal à me dire qu'il n'y a pas quand même une grosse part de Bayona là-dedans. Ou en tout cas, peut-être que le scénario a intéressé Bayona pour ces éléments-là, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont thématiquement très forts et qui sont thématiquement très récurrents chez Bayona qu'on retrouve ici. Comme s'il arrivait à dynamiter ce truc, ce cadre qui est de la saga Jurassic Park, qui aille faire transparaître ses propres obsessions, y compris celles finalement qui sont les plus étranges, les plus malsaines, les plus déviantes et qui ne sont pas forcément présentes à l'origine dans Jurassic Park. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi. Ben, je me le demande, mais parce que pour moi, c'est purement logique dans la saga, c'est-à-dire que là, pour le coup, ce que fait Bayona ou Goro, c'est le fait de nous dire dans le film que la gamine est une clone. Je sais que ça a choqué beaucoup de monde, et je le dis personnellement, j'ai été un petit peu réticent la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, oula, film, vers quoi tu t'engages? J'étais psychologiquement pas prêt, et finalement, après réflexion, parce que le film, pour le coup, mène vraiment à une vraie réflexion et à une vraie volonté de débattre. Quand je suis sorti de la salle, j'étais allé voir avec la famille, on a tous parlé de ce genre de choses, donc le film ouvre amène à de la discussion, et finalement, je me suis dit, non, c'est totalement logique, et qu'est-ce que ça... Et en plus, Bayona, dans son film, à plusieurs moments, il donne des réminiscences de mise en scène par rapport à Maisie vis-à-vis des dinosaures, c'est-à-dire qu'elle se comporte parfois comme des dinosaures, il la filme comme un dinosaure, et d'une certaine manière, par coup, il fait un rapprochement aussi avec des dinosaures vis-à-vis de l'Indoraptor, il fait un rapprochement vis-à-vis des Indoraptors avec Maisie, comme tu dis, lors du plan iconique de l'Indoraptor qui se rapproche lentement de Maisie dans la chambre. Donc en fait, il fait une espèce de triangle entre ces trois éléments qui se relient à plusieurs moments, par le prisme de la mise en scène et même du scénario, en l'occurrence de Maisie, qui est une création, du coup, comme le sont les dinosaures des créations. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que
ça nous choque de dire que Maisie n'est qu'en fait la réincarnation d'une personne défunte, mais les dinosaures, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui ont disparu depuis des millions d'années, et que par le prisme de la science, on a décidé de ressusciter littéralement. Donc, scénaristiquement, thématiquement et au sein de sa mise en scène, Bayona slash Trevorrow, encore une fois, je ne sais pas vraiment dire qui a eu le coup de génie sur ce point-là, ça renoue véritablement tous ces éléments entre eux et ça nous remet véritablement en question la question fondamentale qui est depuis le premier Jurassic Park et dans les romans de Crichton qui est est-ce qu'on avait le droit de faire ça ? Est-ce qu'on avait le droit de ressusciter ces êtres-là ? Et du coup, ça nous montre la dérive génétique, c'est-à-dire que c'est bien beau la science, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et en l'occurrence, la création des dinosaures, qu'est-ce que ça a pour but si ce n'est de répondre à un fantasme de gamin qui est de vouloir voir des êtres qui nous ont fait fantasmer quand on était petit. Du coup, et en plus de ça, de trouver un moyen du coup de jouer sur la rêverie du public, mais aussi du coup de se faire de l'argent, parce que concrètement, les dinosaures, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter d'un point de vue scientifique ? On les a recréés, ok. Donc c'est une prouesse scientifique, mais qu'est-ce que ça nous apporte par rapport à la science d'aujourd'hui ? Non, ça n'apporte rien. Et d'ailleurs, dans le film, ce qui est fort, c'est qu'on le voit, les dinosaures ne sont que des objets que l'on exploite, que l'on maltraite, et qu'on achète comme de purs objets dans un musée, quoi. La vente des enchères, c'est littéralement ça. C'est les gars, ils sont là à dire, bon, ben, moi, je voudrais avoir lui, du coup, je donne une mise de temps, et ensuite, bah, jugé vendu, il faut te l'acheter, quoi. C'est d'ailleurs ce que disait déjà Malcolm, craignait dans le premier Jurassic Park, hein, qui disait, voilà, vous allez les emballer dans un joli papier cadeau plastique, maintenant, vous allez les vendre. C'est ça qui est génial, hein, moi, j'adore cette séquence de la vente aux enchères qui ramène. En plus, c'est ça, il y en a ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a tout un fond, en termes de mise en scène, en termes d'imagerie, qui ramène à plein de choses qui sont c'est très, très référentiel. C'est comme on l'avait dit, le problème sur Jurassic World, c'est effectivement si t'avais pas un tant soit peu de bagages ou de capacité peut-être à voir ce qui est de l'ordre du métafilmique, c'était compliqué peut-être de rentrer dedans et peut-être que le film perdait la valeur potentielle qu'il pouvait avoir. Là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que Bayona, en fait, il y a beau avoir plein de références aux chasses du comte Zaroff, par exemple, à l'expressionnisme allemand à certains moments, il y a plein de références à plein de choses, au fantastique gothique britannique, il y a plein de trucs, et en même temps, si tu n'as pas ces références-là, c'est pas grave du tout, en fait. La mise en scène est quand même présente pour véhiculer du sens, et je trouve, alors c'est la question que je me posais aussi en réfléchissant à ça, quand tu parlais tout à l'heure du lien peut-être entre Bayona et Trevorrow, qui est-ce qui aurait fait quoi, qui est-ce qui a sa part, en fait, de responsabilité dans ce petit miracle pour moi. Moi, je me posais la question l'autre fois en le revoyant, est-ce que si Trevorrow avait mis en scène, ça aurait été la même chose ? C'est-à-dire que moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que peut-être que Trevorrow a eu ses très bonnes idées à l'écrit, ce que je ne doute pas, mais je me dis, est-ce qu'il aurait réussi ? Par exemple, tu parlais de toutes ces réminiscences qui permettent de mettre justement en effet miroir la petite fille, Maisie, et l'Indominus Raptor, et les dinosaures de manière globale, quand tu parlais de ce triangle-là. Je pense que c'est un truc qui peut-être, si ça l'avait été Trevorrow qui avait réalisé, on n'aurait pas senti ces réminiscences-là, et je pense que peut-être, même si le scénario était bon, on aurait perdu énormément d'éléments beaucoup plus subtils. Et c'est ça que je trouve que l'apport de Bayona, c'est qu'il raconte aussi énormément, et ça a toujours été le cas dans toute sa filmo, principalement par sa mise en scène, principalement par son image. Et là, je trouve que tous ces éléments-là de réminiscence, pour moi, c'est grâce à la mise en scène de Bayona principalement, mais qui était peut-être présent à l'origine, mais je suis pas sûr que Trevorrow aurait réussi à les faire passer par l'image, en suscitant des émotions, et je pense que pour moi c'est la nécessité, hein, que le cinéma c'est un art de mise en scène, et je pense que ce qui doit être principalement vecteur de sens, c'est la mise en scène, et je pense que là-dessus, en fait, Bayona excelle, et arrive finalement peut-être à transmettre ces très bonnes idées qu'a eu Trevorrow, mais principalement par l'image, et sans passer forcément par le dialogue, par quelque chose de descriptif, de trop descriptif. Oui, je suis d'accord, tout à fait. C'est-à-dire que même si je suis d'accord que je pense sincèrement, j'ai envie de croire, et ça me donne de l'espoir pour Dominion, oui. Et que Trevorrow a eu une vraie remise en question, et là il a su exploiter correctement la mythologie dont il se prétend être le digne héritier depuis Jurassic World, mais qui pour le moment n'était pas le cas. Là, pour le coup, il montre qu'il a une certaine maîtrise de l'univers, mais clairement, d'un point de vue mise en scène, ça aurait été beaucoup trop plan-plan. C'est-à-dire que Jurassic World, m'énervait d'une certaine manière aussi, comme je disais, c'est que le film critiquait ce qu'il était lui-même, c'est-à-dire qu'il critique les blockbusters fades qu'on pouvait avoir dans les années 2010, mais il est lui-même un blockbuster qui, fondamentalement, ne raconte pas grand-chose au sein de son script lui-même, quoi. Le film n'a aucune transcendance par le prisme de sa réalisation, en fait. Donc, et
je pense malheureusement c'est ce qu'on risque de retrouver dans Dominion. Mmh. Quand bien même j'ai l'impression de ce que j'ai pu entendre ou voir de manière très brève, parce que j'ai voulu me limiter un maximum en termes de bande-annonce, de ce qui a pu être divulgué vis-à-vis du film, de ce que j'en vois, le film a l'air quand même dans une certaine continuité visuelle avec Fallen Kingdom. Mais ça, pour le coup, je pense que c'est Trevorrow qui a vu, on va dire, les bonnes idées qu'a pu avoir Bayona d'un point de vue de la photographie notamment, et du coup il a décidé de les incorporer dans son film. Mais du coup, qu'est-ce qu'il apportera lui-même d'un point de vue mise en scène au sein de son nouveau film, là je me le demande. Alors, je pense qu'il est intéressant au passage, on est en train de parler beaucoup de la seconde partie du film, qui est principalement, voilà, pour moi, ce changement paradigmatique que prend le film, ce changement de décor où tout change finalement, qui est celle finalement qui ramène à la noirceur des origines dans une certaine mesure. On parle très très peu de la première partie. Alors, à ton avis, pourquoi et qu'est-ce que tu aurais à dire de la première partie du film? Parce que pour le coup, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a une vraie scission entre les deux parties, même si pour le coup, moi je trouve qu'elles sont très cohérentes malgré cette scission-là. Qu'est-ce que tu penses de la première partie du film pour le coup? La première partie, ce qui est ironique, c'est que les gens qui ont critiqué le film ont dit qu'il était incohérent, que la suspension constitutionnelle de crédibilité ne tenait pas du tout, que le scénario était très simpliste, très repompé sur les anciens Jurassic Park, principalement le monde perdu, ce sont les mêmes personnes qui te diront que la première partie est la meilleure. Alors que concrètement, c'est tout, enfin, sans dire qu'elle est mauvaise, hein, elle est pas mauvaise, je trouve, la première partie, mais pour le coup, c'est la partie moins intéressante d'une certaine manière. C'est là où il y a le plus d'incohérence, si on veut parler de science d'un point de vue scientifique. C'est là où, enfin, tu sens que le film assume complètement son côté série B, ce qui est pas forcément un mal en soi. Hein. Le monde perdu, par exemple, joue beaucoup aussi sur le côté série B. Hein. La scène de la caravane, on ne s'est pas attardé trop dessus. Mais même si elle est brillante d'un point de vue mise en scène, il y a des moments où Spielberg joue beaucoup sur notre suspension de conscience et crédulité. Mais c'est pas forcément mal, parce que si la mise en scène arrive à transcender les points fondamentalement scénaristiques du film qui sont un peu bancals, s'il arrive vraiment à agencer le tout de façon fluide et prenante par le prisme principalement de la mise en scène, moi j'y vois aucun problème. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe dans la première partie. Il reste que le Baryonyx qui résiste à la lave, le Carnotaur qui attaque alors qu'il y a une éruption derrière eux, Chris Pratt qui arrive à briser la vitre de la gyrosphère alors qu'on disait dans le premier qu'elle était par balle. Voilà, il y a des facilités ici et là qui, je peux comprendre qu'elles puissent poser problème. Même si moi, j'arrive à passer outre, parce que justement, la Bayona arrive à instaurer un vrai à sa première partie qui fait que, clairement, j'ai été surpris de me rendre compte que la phase sur la ligne durait quasiment une heure. Alors que, concrètement, j'ai l'impression qu'en 20 minutes, elle est pliée, mais non, c'est parce qu'il y a une vraie gestion du rythme et du montage. Mais je peux comprendre, c'est les parties qui peuvent être les plus maladroites et les plus réjouissantes vis-à-vis du monde perdu. Au début, clairement, quand tu regardes le film, t'as l'impression qu'on va partir sur un décalcage pur et simple du premier du monde perdu. C'est-à-dire qu'on commence avec un âgé qui fait appel à quelqu'un qui a été dans l'ancien parc et on lui demande qu'il faudrait récupérer les dinosaures ou empêcher du coup l'expédition qui ramènerait les dinosaures sur le continent. Finalement, les circonstances font qu'elle va avoir lieu. Le coude, c'est John Hammond. Ellie Mills, d'une certaine manière, c'est Peter Winslow. Le chasseur blanc du Ken Whitley, c'est Roland. Il y a beaucoup de réminiscences si tu t'attardes uniquement sur la première partie. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans la seconde partie, Bayona va déconstruire ces archétypes qu'on pouvait avoir dans le perdu, et même la structure narrative qui n'a plus rien à voir avec le monde perdu dès sa seconde partie. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il nous dit, il reprend les points scénaristiques fondamentaux qui étaient la base même du monde perdu, mais pour les déconstruire d'une certaine manière, déconstruit le message de fin du monde perdu, qui était justement, comme je disais à la fin du monde perdu, le John Hammond nous disait, oui, du coup, tout être vivant va trouver sa place dans notre monde, la vie trouvera un chemin, blablabla. Bayona, justement, le génie qu'il a, c'est que dans sa seconde partie dans le manoir, il arrive à remettre en question tout ça, qui est que, ouais, peut-être qu'ils vont arriver d'une certaine manière maladroitement, mais ils y arriveront quand même à trouver leur place. Est-ce que c'est une bonne chose d'être vu l'écologie, d'être vu de l'éthique, d'être vu de l'évolution du vivant?
et pour le coup, c'est nettement plus cohérent avec Jurassic Park, et c'est ce qui fait qu'à la fin, on revient du coup, parce qu'on disait que la petite appuie sur le bouton, quand bien même on peut comprendre pourquoi elle agit de la sorte, le film ne dit jamais qu'elle a une raison. Et j'ai même dit, envie de dire, le point fondamental qui montre qu'elle a eu tort, c'est Anne Malcolm. Oui, tout à fait. Dit clairement, depuis le début du film, dit qu'il fallait les laisser mourir sur l'île. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus par le fait que Ian Malcolm est très peu présent dans le film, mais je suis désolé, et je sais que je vais choquer certaines personnes en me disant ça. Pour moi, Ian Malcolm est nettement plus cohérent vis-à-vis du Ian Malcolm du premier film et des romans de Crichton que ce qu'elle a pu faire soudain dans Le Monde Perdu. Je redis juste sur la question du choix aussi de la petite fille, parce que c'est quelque chose qui a été énormément critiqué. Moi, je trouve que pour le coup, ce qui est aussi intéressant, c'est de la montrer en toute sa naïveté, en toute son innocence, c'est que, parce que j'ai beaucoup entendu dire que voilà, c'était un geste stupide de sa part. Bon, et au-delà du fait que effectivement, elle se reconnaît, qu'il y a cet effet de miroir avec les dinosaures, il y a aussi, je pense, ce questionnement sur l'innocence aussi qui est très important, c'est-à-dire qu'elle agit innocemment, elle ne réfléchit pas aux conséquences, etc. Un petit peu d'ailleurs comme Amande était dans le premier, c'est-à-dire aussi un enfant qui se retrouvait, alors pour des raisons différentes, hein, parce qu'Amande c'était un enfant qui se retrouvait avec un jouet extraordinaire entre ses mains, mais qui se retrouvait comme son cirque de puce d'ailleurs, et qui se retrouvait dépassé par ce jouet. Il y a ce côté-là, en fait, cette innocence, l'idée qu'on ne l'accule pas pour ce qu'elle a fait, elle n'est pas condamnable pour ce qu'elle a fait, mais en même temps, on ne dit pas non plus que ce qu'elle a fait est un geste qui aura de bonnes conséquences. C'est juste l'innocence, la moralité, la l'apostrophe amoralité de l'enfant, qui, voilà, justement, se reconnaît émotionnellement et réagit de manière émotionnelle. Et ça, je trouve ça, c'est très très beau. Hein. Parce que je trouve que le passage Jurassic World Fallen Kingdom fait beaucoup, tu parlais beaucoup du monde perdu. Mais je pense qu'il fait aussi beaucoup écho au premier, de manière aussi miroir inversé, un petit peu comme, pour le coup, la petite fille et l'Indominus Raptor. Il y a un petit peu ce rapport-là aussi avec l'idée de la création qui était là dans le premier, avec l'apparition du premier dinosaure qui était le Brachiosaur. Et là, pour le coup, pour revenir juste sur la première partie, il y a quand même, pour moi, il y a quelques plans qui sont absolument géniaux, je trouve, dedans. La mort du Brachiosaur lorsqu'il quitte l'île, qui fait vraiment un écho, une sorte de miroir inversé, négatif avec le premier, qui est pour moi une des séquences qui m'a fait, et c'est pour dire, pour moi, émotionnellement, ça marche très bien, qui m'a fait chialer quand j'ai vu le film, parce que pour moi, ça a fait immédiatement écho à cet émerveillement dont on a parlé la dernière fois, quand j'ai vu Jurassic Park pour la première fois, et là, j'avais l'impression, voilà, dans cette liaison que je trouve absolument extrêmement puissante entre les deux films, là on montre la mort de mon rêve de manière extrêmement claire. C'était Brachiosaur était l'incarnation du rêve, là on voit le rêve mourant. Et il y a un deuxième plan, alors c'est beaucoup moins métaphorique ou beaucoup moins porteur de sens, mais c'est juste pour poser la question de l'efficacité. C'est juste que j'essaie de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Il y a ce plan avec le dévalement des gyrosphères, en fait, dans le long de cette falaise, et avec ce plan subjectif à l'intérieur, que je trouve assez génial, à l'intérieur du, et qui crée une immersion folle, en fait, dedans, qui est suivi effectivement d'un petit problème, tu l'as très bien dit, hein, d'incohérence avec le fait qu'il arrive à casser assez aisément la gyrosphère. Mais en même temps, je trouve le plan assez dingue en termes d'immersion, et je trouve d'ailleurs cette fuite en avant avec le volcan en fond, avec tous ces dinosaures qui courent, et nous on voit ce cataclysme à hauteur d'homme. Je trouve ce plan extrêmement puissant, en tout cas dans ce qu'il véhicule. Encore une fois, c'est pas foncièrement particulièrement bien écrit cette partie-là, et en même temps, c'est pas que c'est pas bien écrit, excuse-moi, je me surbais, c'est très simple en termes narratifs à ce niveau-là, mais je trouve que cette simplicité fait aussi la puissance des images, enfin c'est les images extrêmement puissantes que ça convoque, avec tout l'imaginaire qu'on a autour des dinosaures, que je trouve extrêmement fort, et que Bayona arrive très très bien à mettre en avant, à utiliser pour pouvoir être extrêmement efficace, que l'homme très bien dit, la séquence dure à peu près une heure, mais on a l'impression que ça dure 20 minutes, parce que je trouve que on est complètement pris dedans, et je trouve qu'il travaille principalement l'immersion. On a quelque chose de très simple mais qui est extrêmement immersif par le biais de la mise en scène, et effectivement on termine avec ce moment très fort, comme je disais, avec la mort du Brachiosaur qui pour le coup est vecteur très profondément de sens et fait écho, je pense, beaucoup aux gens qui ont aussi découvert Jurassic Park quand ils étaient jeunes, avec encore une fois cette découverte du rêve et cette mort du rêve à ce moment là qui est extrêmement, je trouve, assez traumatisante et assez dure. Mais justement, et là, on va arriver à un point où, encore une fois, le film, pour moi, c'est du génie d'un point de vue de la mise en scène, mais même au niveau du scénario, c'est que j'en reviens du coup à ce que je disais sur Jurassic Park, le fait que le parc est intentionnellement détruit, enfin saboté par Hoskins et Henry Wu, en l'occurrence. Et ce qu'on pouvait se dire dans le premier Jurassic Park, c'est que c'était la même chose, c'est-à-dire que dans le premier Jurassic Park,
Dennis Nedry, c'est lui qui sabote la sécurité et qui du coup laisse les dinosaures s'évader tranquillement, il s'en fout des conséquences. C'est faux, c'est totalement faux. Dans le premier Jurassic Park, je sais que dans le film, ça paraît un petit peu flou d'un point de vue narratif. Dans le bouquin, c'est beaucoup clair. Si je dois souligner une petite maladresse d'un point de vue de l'adaptation, je serais peut-être sur ce point-là. Mais ça fait partie des quelques petites erreurs d'écriture qu'il y a dans Jurassic Park, parce qu'on a parlé de Jurassic Park maintenant que c'est un chef-d'œuvre. Mais il y a effectivement quelques petites. Parce que ça a été mis en avant aussi par pas mal de gens qui défendaient au passage Jurassic World, entre autres le premier. Il y a effectivement, et moi en premier d'ailleurs, j'avais souligné ces petits points-là. Il me semble qu'il y a quelques moments effectivement dans Jurassic Park, mais qui moi ne vont pas jusqu'à mettre en danger ma suspension constante d'incrédulité. Mais il y a des petits soucis, parfois d'écriture en fait, qui sont absolument pas problématiques, mais voilà, qui sont quand même présents. Donc excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse reprendre. Oui, non, il n'y a pas de souci. Oui, bah, je peux citer un truc tout clair. Lex calcule la lampe torche. Oui, tout à fait. Je suis désolé, ce point, même si je peux, j'essaie de me trouver une justification. Le fait qu'elle a paniqué, le fait qu'il y avait la pluie, qu'elle ne voyait rien, elle avait besoin de se rassurer. On le voit précédemment qu'elle dit d'un air un peu inquiet, professeur Grant, en mode oh là là, qu'est-ce qui a arrivé, tout, j'entends des bruits, tout ça. Donc elle allume l'entorse par instinct de vouloir avoir une vision plus claire de son des alentours, et du coup ça attire le T-Rex. On peut justifier comme ça, il n'empêche que c'est une énorme facilité scénaristique. Facilité scénaristique n'était même pas nécessaire, parce que dans le bouquin, Crichton justifie l'attaque du T-Rex bêtement, c'est-à-dire que Tim, comme dans le film, il voit le T-Rex proche de la voiture, et du coup, pour se sentir en sécurité, il referme la porte, du coup, fait du bruit, du coup, attire le T-Rex. C'était, je pense, largement suffisant pour justifier le fait que le T-Rex s'intéresse à la voiture. Il n'y avait pas besoin d'ajouter beaucoup de la lampe torche. Mais bon. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, Dennis Nedry, dans le premier Jurassic Park, il sabote pas le parc. Il désactive temporairement, il le dit d'ailleurs lui-même dans le film, que le système va couper pendant 18 à 20 minutes, et que tout va rentrer dans l'ordre après. C'était pour couper les portes qui mènent au labo, et en l'occurrence aussi les caméras, pour ne pas laisser de traces de son acte. Et pourquoi il a fait ça? C'était pour voler des embryons, pour les donner à la concurrence, qui lui a promis une grosse somme d'argent, parce que comme disait John Hammond, il n'était pas assez payé. Qui même là, on pourrait dire que c'est étrange qu'il ne soit pas assez payé, sauf que même là, c'est plus ou moins subtil, c'est que John Hammond sous-entendrait que les problèmes qu'il y a dans le parc, qu'on a pu entrevoir dans le parc, ne datent pas d'hier, et que du coup, il y a dû y avoir, quand il lui dit tout simplement, je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils commettent, mais qu'ils en assument les conséquences. Probablement qu'il y a eu des problèmes de programmation dans le parc et que du coup il y a dû y avoir de il a dû réinvestir à nouveau de l'argent dans la conception du parc, ce qui a dû lui coûter encore plus d'argent et du coup ça a dû le mener à baisser des salaires et notamment des métiers. On peut l'interpréter comme ça. Mais du coup, pour se faire de l'argent, il a décidé du coup de couper brièvement la sécurité du parc pour pouvoir voler les embryons et les amener. Mêlé à ça, plus à toutes les petites failles qu'on peut voir dans le parc, on le voit dès le début, hein, t'as le raptor qui donne un petit coup dans le conteneur et ça désactive toute la sécurité, qui mènera à la mort d'un des ouvriers. On voit de façon très brève, quand ils sont assis dans les sièges en train de regarder des dessins animés, t'as Alan qui demande si on peut pas arrêter le truc, et t'as John qui fait « ben non, c'est le programme de la visite ». Et assis apparemment, juste en forçant un petit peu sur le mécanisme, ça bloque tout et ça ne marche pas. Montrant encore une fois que la sécurité est hors pair dans le parc. La Jeep qui du coup n'a pas les phares qui fonctionnent, et il y en a sûrement d'autres qui échappent là en tête. Mais du coup voilà, dans le film on nous parcelle ici et là que le parc il a des petites failles ici et là. Mêlé à ça plus du coup le fait que de Dennis Nedry désactive volontairement des installations de sécurité pour pouvoir se rapprocher des embryons encore une fois, et le fait aussi, on a tendance à oublier, qu'il y a une tempête. Tempête qui a dû mener à une coupure de courant qui fait que la désactivation de certains angles de la sécurité du parc a en fait s'est propagée sur d'autres réseaux et en l'occurrence sur les enclos. Et ce qui a mené les dinosaures à avoir l'opportunité brève de pouvoir s'échapper. Du coup, en fait, dans mes films, c'est pas l'homme qui volontairement a saboté le parc, c'est pas Dennis Nedry qui a volontairement saccagé le projet d'amende. C'est l'appât du gain qui l'a mené à agir de la sorte. C'est les petites failles du système dans le parc, parce qu'encore une fois, amende
imagine les choses en grand, mais n'a pas conséquence, parce que son projet qu'il est en train de concevoir le dépasse totalement, mêlé en plus, du coup, aux forces de la nature qui, trop tard, pourront payer les agissements de l'humain. Et c'est tous ces petits éléments-là qui mènent à une grosse conséquence. Encore une fois, plein de petits codes qui mènent à une grosse conséquence. On en revient du coup à un effet papillon qui est la théorie du clone. Oui, qui est d'ailleurs expliqué, on l'avait déjà dit, hein, par Ian Malcolm dans la voiture avec Ellie Sattler. Et voilà, tout à fait. Et du coup, dans le premier Jurassic Park, c'était un enchaînement de plein de petits éléments, mêlés aussi au fait que c'est une critique aussi de l'informatisation poussée à l'extrême, que l'homme se laisse dépasser par son envie de pousser la technologie de toujours plus loin, pas simplement génétique, aussi informatique. Pourquoi du coup les visiteurs sont dans la merde, c'est parce que les voitures, elles sont électriques. Si c'était des voitures normales, ils auraient pu conduire jusqu'au QG et on n'en aurait pas parlé. Non, c'est parce que le parc est totalement informatisé, tout est programmé, ce qui fait qu'une petite faille dans le système fait à tout foutre en l'air, au-delà même de simplement de la sécurité des portes, de la caméra ou même des enclos. C'est carrément les voitures, le téléphone qui ont été désactivés, parce que tout est programmé à l'échelle d'un parc entier. Encore une fois, l'homme qui voit ses projets trop grands. Et d'ailleurs, Ian Malcolm le souligne très brièvement avec une phrase assez cynique et drôle, et qui veut tout dire en même temps, Dieu y est pitié de nous, nous sommes à la merci des ingénieurs. C'est une petite blague furtive comme ça, mais qui va encore une fois tout dire, et qui encore une fois montre que Ian Malcolm est un devin qui a prévu dès le début que le parc allait foirer. Pour revenir à Sean Kingdom, désolé pour cette parenthèse. Non, tout à fait. C'était important parce que du coup, on sait que parfois, dans le Jurassic Park, on peut dire oui, mais du coup, les humains sabotent le parc. Mais du coup, qu'est-ce que fait Bayona et Trevorrow? Parce que pour le coup, je peux donner le crédit à Trevorrow, c'est cela. Ils ajoutent explicitement la présence d'un volcan sur l'île. Je sais que ça a fait énormément débat, mais sachez-le, l'idée d'un volcan sur l'île était déjà dans les romans de Michael Crichton. L'île était déjà volcanique, que ce soit Isla Nublar et Isla Sorna, en fait sur une chaîne volcanique, tout simplement. Et en fait, on nous disait dans les bouquins, pour ceux qui voudraient savoir, dans les bouquins, Crichton justifie la présence d'un volcan sur l'île pour en fait justifier le fait que John Hammond a essayé, comme il le pouvait, de se rapprocher le plus possible de l'écosystème que les dinosaures pouvaient avoir à leur époque. On nous précise notamment dans le bouquin que les Procompsognathus vivaient au Trias, et qu'au Trias, il y avait beaucoup de zones volcaniques. Et donc, du coup, le fait qu'il y aurait un volcan, ça permettrait du coup d'avoir un écosystème beaucoup plus proche de ce qu'ils pouvaient connaître en leur temps. Et il y a aussi, donc ça peut du coup d'un point de vue environnemental, mais c'était aussi d'un point de vue économique et écologique, parce que tout le parc dans le bouquin, Nublar ou les installations de Sorna, sont en fait alimentés en énergie géothermale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la chaleur produite par les canalisations volcaniques qui ramène du coup de la chaleur dans le sol. Et du coup, John Hammond a exploité en fait ces remontées de chaleur pour en fait alimenter le parc électrique, en énergie électrique. Qui explique d'ailleurs pourquoi dans le monde perdu, dans son deuxième livre, les installations de Sorna sont encore en marche, parce que le volcan continue toujours à alimenter les installations en fait. Donc maintenant qu'on nous dit qu'il y a un volcan sur Nublar, on peut se dire du coup que c'était le cas aussi sur Sorna, et donc du coup ça permet de comprendre mieux pourquoi du coup il y a une présence de volcan, parce que Hammond s'en est servi pour pouvoir alimenter les installations de ces deux îles par le biais de ces remontées volcaniques, si je puis dire. Et ça va encore plus loin, du coup, de montrer que du coup, le parc du coup, était propre de base, et que du coup, John Hammond a voulu exploiter un pan de la nature, l'énergie géothermale, et ce pan naturel s'est retourné contre lui, parce que c'est dans les fondements même de son projet qu'en fait, il y a une faille qui est que le volcan, en fait, allait tôt ou tard, en fait, se réactiver. On nous précise bien dans le film qu'il est endormi. La journaliste le dit. Le volcan de Nublar est endormi. Quand on dit qu'un volcan est endormi, ça veut dire qu'il ne s'est pas activé depuis des centaines, voire des milliers d'années. Donc, montrant que John Hammond n'a pas possibilité de prévoir que le volcan allait se réactiver. Le volcan s'est réactivé, détruit définitivement Jurassic World et du coup, par extension, Jurassic Park. Ce qui veut dire que même l'accident que Denis Ferry a pu causer d'une certaine manière en 93,
allait forcément, en fait, en 2018, être foutu en l'air parce qu'en fait, le volcan allait se réactiver. Donc, en fait, non seulement ça démontre que, incident de Jurassic World ou pas, il y a avant une catastrophe, mais ça veut dire même aussi que, à l'époque même du premier Jurassic Park, que le parc Jurassic Park allait être foutu en l'air, en fait, tout tard, à cause du volcan. Donc, c'est dans les fondements même du projet de Hammond que le parc était foireux, en fait. C'est vrai parce que ça renforce en plus l'idée dont on avait développé aussi, c'est-à-dire que les dinosaures ont été réactivés, ressuscités dans un environnement finalement qui n'est plus en adéquation et que la nature, tôt ou tard, va supprimer cette aberration, cette anomalie qui n'est plus en cohérence avec le truc. Donc finalement, ce volcan, le fait que le volcan se réveille, qu'il puisse paraître une sorte de facilité d'écriture pour supprimer une dinosaure, est très logique sur cette idée que la nature finalement finira tôt ou tard par corriger une anomalie qui n'est pas censée être là à ce moment-là. C'est-à-dire vraiment cette idée qu'elle va, pour une seconde fois supprimer les dinosaures. La première fois, ça a été supprimé naturellement. On n'aurait jamais dû les faire revenir. Et donc, la nature remet un coup pour supprimer, montrer bien qu'ils ne sont plus en adéquation avec l'époque, avec l'évolution telle qu'elle est arrivée, etc. Donc, c'est super intéressant, l'idée du volcan, en fait. C'est bien loin d'être une facilité d'écriture, d'être simplement qu'une référence au premier cataclysme pour le faire vivre d'un point de vue purement empirique au spectateur. C'est qu'il y a effectivement une dimension thématique et philosophique qui a derrière ça et qui est parfaitement cohérente avec ce qu'on trouve au tout début. Oui, et c'est, encore une fois, ça reprend un élément des bouquins qui surexploite. Hein. Pour le coup, l'idée du volcan est beaucoup plus exploitée maintenant, en fait, au sein des films que dans les livres, parce que l'éruption volcanique n'a pas lieu dans les bouquins, je le précise au cas où. Mais la destruction de Nublar a lieu. Je ne dis pas pourquoi, mais elle a lieu. Donc, encore une fois, même scénaristiquement, ça renoue avec, on va dire, le dédain des îles dans les bouquins de Crichton. Il y a, dans une certaine mesure, vous avez, alors je sais pas s'il y a quelque chose qui est de l'ordre, qui est volontaire du côté de Trevorrow ou de Bayona ou l'un des deux, je ne sais pas, mais il y a quand même cette idée aussi. On a ramené les dinosaures. En 2015, si je me trompe pas, pour le premier Jurassic World, vous avez ramené, vous avez ressuscité Jurassic Park, vous avez essayé de le faire. C'était pas foufou, mais ça, bon, je sais pas, je pense pas que ce méta commentaire soit posé, mais en tout cas, vous avez ressuscité Jurassic World. On va le remettre aussi pieds sous terre une seconde fois, comme les dinosaures étaient tués une fois, puis détruits une seconde fois dans le film ici, et on va partir sur de nouvelles bases et partir sur autre chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de faire tabula rasa, en fait. On a essayé de le réactiver, de les ressusciter une fois Jurassic Park, ça n'a pas marché, en témoigne tout le discours métafilmique que posait déjà Trevorrow à l'origine, donc ça pourrait être cohérent avec ça. Et maintenant, on le supprime définitivement. On lui dit adieu de manière extrêmement touchante, extrêmement puissante émotionnellement, avec cet adieu au brachiosaure, qui est une incarnation du rêve qu'est Jurassic Park, et on passe à autre chose, on part sur autre chose, tout en posant l'idée que cette chose est parfaitement cohérente avec ce qui précède. Donc je pense qu'il y a cette double destruction, à la fois, pour revenir de manière intradiégétique, si je puis dire, sur la question des dinosaures, et j'entends scientifique et intradiégétique sur la double destruction des dinosaures, avec la nature qui reprend ses droits, ou qui supprime l'anomalie, et cette idée de supprimer, après une nouvelle résurrection un petit peu forcée, de ce qu'est la saga Jurassic Park pour partir sur autre chose, c'est de développer d'autres choses, tout en suivant encore une fois un fil et en étant cohérent avec ce qui précède. Mais on part, narrativement en tout cas, sur autre chose. Et je trouve ça vachement intéressant aussi, ce côté-là, ce parti pris, de dire adieu de manière extrêmement respectueuse, encore une fois, au mythe qu'est Jurassic Park aussi. Oui, et même encore une fois, pour nouer avec Jurassic World, c'est-à-dire que Jurassic World est un film purement nostalgique, et qu'est-ce que fait la première partie de Fallen Kingdom? C'est qu'il reprend des éléments phares de Jurassic World, donc encore une fois, on est dans un truc nostalgique, mais on le déconstruit. C'est-à-dire que qu'est-ce que font Owen, Claire et Franklin pour se mettre à l'abri de toute la ruée des dinosaures qui courent? Ils se mettent derrière le tronc d'arbre du premier Jurassic Park. Tronc d'arbre qui est projeté, défoncé dans tous les sens par tous les dinosaures qui avancent. On a aussi la Jeep de Alan et de Tim qui était dans l'arbre, que l'on voit littéralement fondre sous la lave devant nos yeux, où on voit littéralement le logo fondre littéralement. On a du coup le T-Rex aussi, le T-Rex qui pousse un hurlement héroïque et qui se fait interrompre par une onde de choc du volcan, et tu sens que le T-Rex est totalement déboussolé et qui se barre, qui dit merde, faut que je me barre. Donc même là pour le coup, on a une déconstruction de l'icône, mais intelligente pour montrer que ces créations-là, ces dinosaures, ne valent rien face aux forces de la nature. Le T-Rex, c'était le moment de gloire du T-Rex, de pousser son hurlement, mais non, la nature lui dit sa gueule.
Et ensuite, t'as le coup final définitif avec, comme tu cites tout à l'heure, le brachiosaur qui fait sa posture comme à la fin du premier Jurassic Park, comme au début du premier Jurassic Park, pardon, et qui littéralement disparaît derrière la fumée et les flammes, quoi. Et on nous déconstruit toute la nostalgie qui avait été mise en place dans Jurassic World et dans Fallen Kingdom. Même s'il y a encore une fois des références, des petits clins d'œil ici et là, ce qui ne dérange pas forcément, hein. Les clins d'œil étaient déjà réminiscents depuis Le Monde Perdu. Le Monde Perdu était déjà d'une certaine manière en plus un hommage vis-à-vis de King Kong, du Monde Perdu, de Conan Doyle et tout. Donc l'idée qu'il y ait au sein de l'univers des petites références ici et là entre chaque film, ça ne me dérange pas, du moment que c'est subtil et du moment qu'on ne joue pas encore une fois sur le côté nostalgique. C'est ça qui est vraiment problème. Et surtout que ces références, elles ont du sens aussi, comme tu le disais, c'est que ça a du sens, c'est pas juste une référence cosmétique artificielle. C'est que tout ça a un sens très profond qui est, dans une certaine mesure, qui est nécessaire à la bonne tenue thématique du film, en fait. C'est ça. Et oui, voilà, du coup, quand on fait des petites références, des petites réminiscences, si elle est là, ça ne me dérange pas. Notamment, il y a des plans qui sont récurrents dans tous les films, le plan de l'œil des dinosaures, puis en plus de ça, dans Bayona, dans ce film, fait le plan de l'œil avec Maisie. Donc encore une fois, il y a toujours un parallèle entre les dinosaures et la clone, en l'occurrence. On a une scène, dans tous les films, on a une scène avec un véhicule. Dans le premier, c'est la Jeep, dans le deuxième, c'est la caravane, le troisième, c'est l'avion, le quatrième et le cinquième, c'est la gyrosphère. Donc il y a toujours des réminiscences, et dans Dominion, il y aura, je vous parie, une scène avec un véhicule, ce qui n'est pas un mal en soi, c'est juste pour garder, on va dire, une petite réminiscence entre chaque film, quoi, pour donner un semblant de continuité. Mais il faut toujours avoir l'idée que avoir des réminiscences, des clins d'œil, c'est bien, mais il faut soit alors que ce soit très subtil, soit que ça ait du sens dramatique, thématique ou scénaristique dans ton film. Par exemple, il reprend à un moment donné Bayona l'idée de Maisie qui essaie de fermer la trappe comme Lex dans le premier qui essaie de fermer la trappe avec le Vélociraptor, sauf que le coup du Vélociraptor, ce qui a sauvé Lex, c'était que le Raptor a pris Lex pour ce qui était en fait son reflet à elle. Du coup, en fait, l'inattention qu'a fait le Raptor, ça l'a sauvé la vie. Mais elle avait pas réussi à fermer la trappe en l'occurrence. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il joue pas sur le reflet, il joue littéralement frontalement sur Maisie qui essaie de fermer la trappe, qu'elle voit le dinosaure foncer vers elle, et on se dit, punaise, mais si ça fait comme Lex, elle est foutue, quoi. Et du coup, ça joue sur une réminiscence qu'on connaissait, mais du coup, pour jouer sur la tension de la séquence, et que, punaise, on espère qu'elle va, cette fois-ci, elle va arriver à fermer la trappe, justement. Et en plus, la tension fonctionne, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, fonctionne malgré tout, même si tu n'as pas vu au passage Jurassic Park. Ça qui est intéressant, c'est que, il n'y a pas cette idée de s'aliéner des spectateurs non plus. Il arrive vraiment à trouver un équilibre absolument parfait pour que ça puisse effectivement situer. Tu vas être dans une certaine mesure, c'est ça, je pense, c'est la bonne référence ou la bonne réminiscence. Et là, quand effectivement tu vas apporter un petit truc supplémentaire, une petite surprise peut-être à celui qui connaît le film, qui peut-être qui va être content de découvrir ça, tu vas être récompensé, entre guillemets, hein, si tu as vu les films d'origine. Mais, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va, au contraire, être négatif pour celui qui n'a jamais vu, c'est-à-dire qu'il va autant profiter du film, mais t'as un petit truc en plus qui va à celui qui est pour le coup, qui est coutumier de la saga, qui connaît, qui vient pour voir ces éléments-là et ces réminiscences. Donc il y a quelque chose de très respectueux vis-à-vis du fan quand même, et en même temps, il y a quelque chose d'aussi respectueux vis-à-vis des nouveaux, c'est-à-dire qu'on va quand même t'offrir de la qualité, on va pas juste s'appuyer sur du référentiel qui n'aurait aucun sens, qui n'est pas vecteur de sens, etc. Donc c'est vraiment un exercice hyper intéressant, et d'ailleurs toute la dernière partie aussi dans la maison, c'est vrai que c'est vraiment, pour le coup, c'est un monstrueux exercice de style sur la séquence de la cuisine, en fait, globalement, qui était la séquence, je trouve, la plus horrifique fondamentalement de Jurassic Park, qui était ce dernier acte qui était vraiment purement horrifique. Et là, pour le coup, je trouve qu'il pousse les potards un cran plus loin, en fait, en reprenant la même idée de travail sur les ombres, qui était l'ouverture de la séquence de la cuisine où Lex et Tim sont en train de manger le flan, et qu'il y a cette ombre du vélociraptor qui se détache du mur derrière où il y avait déjà un vélociraptor peint dessus. Et là, il y a tout un jeu sur les ombres qui est absolument génial, alors qui ramène de fait à l'expressionnisme allemand. L'Indominus Raptor est quasiment traité comme Nosferatu, finalement, on est très très proche de ça, et de Murnau, en fait. Mais il fait plein de références à plein d'autres monstres. Il fait des références aux vampires, au Nosferatu, il fait des références au loup-garou quand il hurle sur le toit avec la lune en fond. Tout à fait.
il lui aurait, et en plus, ça fait un parallèle avec l'un des plans du premier Jurassic Park, comme je disais à la fin, du soleil, où qui avait à l'horizon, et l'hélicoptère qui dirigeait vers l'horizon, en mode, voilà, ça c'est l'avenir, c'est, il faut l'aider, les dinosaures faire table rase. Là, on a littéralement une lune, l'inverse du soleil, donc l'inverse de l'avenir, si on peut caricaturer, avec en gros plan devant, qui éclipse cette lune, la monstruosité génétique à l'état pur, qui hurle sa haine, le fait qu'il n'arrive pas à attraper ses proies, qu'il les recherche, qu'il se met sur le toit pour avoir une vue d'ensemble plus claire de son territoire de chasse. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi l'Indoraptor ne part pas chasser des humains ailleurs que dans le manoir, c'est pas, ça renoue avec ce que nous disait Owen dans le premier film, c'est que, avec l'Indominus, c'est que ces hybrides, et en plus l'Indoraptor, tuent pour le plaisir. Et du coup, en fait, l'Indoraptor n'aurait pas quitté le manoir tant qu'il n'aurait pas buté tous les humains qu'il y avait dans le manoir, en fait. Donc, il y a ce côté du monstre qui serait approprié le lieu purement humain. J'en reviens à ce que je disais, que le manoir est un lieu urbanisé totalement, et qui est du coup magnifié d'un point de vue terreur vis-à-vis de cette incarnation du mal. C'est littéralement de l'Indoraptor, le mal incarné. Il y a encore comme référence, on va dire, les spectres, les fantômes, avec le moment notamment où il y a la griffe qui effleure légèrement les cheveux de Maisie. Au moment où d'ailleurs elle dépasse symboliquement la ligne génétique, quand tu sais, quand elle recule et elle on voit ses pieds qui dépassent une ligne de sécurité, et ça veut dire aussi que c'est le moment où en fait elle dépasse les limites génétiques, parce qu'elle-même, elle est une création génétique. Et du coup, le fait que l'Indoraptor l'effleure, ça veut aussi dire symboliquement qu'il y a quelque chose qui est lié les uns aux deux d'un point de vue création, tout simplement, ce qui sera concrétisé avec le plan, comme on disait dans la chapitre. Le fait que, comme on dit, l'Indoraptor qui rentre dans la chambre avec l'ombre qui se projette sur le mur, ombre qui d'ailleurs au début on pense que c'est l'ombre du cheval, cheval en plus à bascule qui ramène à l'enfance, du coup on a un parallèle entre l'enfance, l'innocence et la terreur comme on dit à chaque fois, du coup ce qui est encore une fois cohérent avec l'imagerie, la rêverie que vous nous laissez Jurassic Park mais qu'on avait progressivement compris qu'il fallait délaisser parce que ça avait plus les dinosaures n'ont pas leur place dans le monde, et là le fait qu'on ait surexploité ce domaine génétique et surexploité la saga aussi, on peut parler d'un mode métaphysique. Ça crée littéralement des dérives de rêves de gosses qui, en fait, amènent à des monstres, parce que littéralement, on a l'ombre du cheval qui se dévie progressivement et qui laisse place à une mâchoire de monstre. En plus de ça, ça fait un parallèle avec le fait que c'est peut-être une création de guerre, qu'il nous dit à un moment donné, pourquoi on ne pourrait pas créer des dinosaures pour l'armée, on l'a bien fait pour des éléphants, pour des chevaux, encore une fois. Donc ça renoue en plus de ça avec l'idée que c'est une création d'armes biologiques, tout simplement, qui dérive vers le monstre. En quelques plans, il arrive à te ramener thématiquement tout, juste avec des plans clés, et toujours en gardant ce côté monstre évocateur, avec l'ombre, encore une fois, il ramène avec les cauchemars de l'enfance, avec l'ombre face derrière avec le rideau de chambre, qui évoque plein de cauchemars qu'on peut faire vis-à-vis de l'enfance, avec le vent qui peut faire claquer contre les portes, les rideaux qui flottent à cause de l'air extérieur. Dans la saga, il me semble, pour moi en tout cas, que c'est le seul moment où on insiste aussi énormément sur la monstruosité de l'être humain. C'est-à-dire que il y a cette idée effectivement que c'est le seul film de la saga dans lequel effectivement il y a un être humain qui tue un autre être humain. C'est quelque chose qui est assez inédit dans la saga. Il y a toute cette séquence finalement de marché aux enchères, de vente aux enchères, alors qui ramène de fait effectivement graphiquement aux chasses du comte Zaroff, où on a ce public qui regarde les cages arriver avec les dinosaures, qui sont traités vraiment comme des figures du mal, en fait, comme des figures monstrueuses, qui sont dans la pénombre en train d'observer les créatures qui arrivent. Il y a quelque chose finalement de cette masse informe qui est l'incarnation du mal aussi, un petit peu comme on trouve chez Carpenter, quand vous avez des méchants, ou les antagonistes en tout cas sont souvent des masses informes d'individus qui se ressemblent un peu tous.
dont on voit pas forcément ou très peu les visages, ou que les visages sont plongés dans la pénombre, où le mal finalement est une sorte de mal dont on, sur lequel on ne peut pas se, on ne peut pas prendre, on peut pas, n'a pas de prise parce que c'est une sorte de mal un petit peu informe. Cette séquence-là est une pure séquence, je trouve, moi, de terreur, parce qu'elle a quelque chose d'assez terrifiante, et je trouve que c'est le premier film de la saga vraiment qui ne traite pas les êtres humains comme ils pouvaient être traités avant, comme des antagonistes, mais là vraiment comme des incarnations du mal en fait. Et je trouve que notamment le seul et unique meurtre d'un humain qui tue un autre être humain, tu parlais tout à l'heure, hein, de l'administrateur qui tue par plaisir, il y a vraiment ce côté-là qui est basculé aussi. On renvoie aussi l'Indominus-Raptor et son comportement dos à dos avec celui des êtres humains aussi qui ont exactement le même comportement et qui sont des monstres justement parce qu'ils ont cette capacité à faire librement le mal, parce qu'ils, contrairement aux autres, aux dinosaures, aux animaux, qui sont guidés par leur instinct, donc ils n'ont pas de responsabilité quand ils agissent mal, parce que de toute façon ils n'agissent pas mal, ils agissent selon ce que leur nature leur impose de faire. Là, on a des êtres humains qui, de fait, n'ont pas de nature et qui n'ont pas une nature fixe. Je cite Sartre, oui. L'homme est condamné à être libre et l'existence chez l'homme précède l'essence. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'essence à être mauvais, c'est lui qui choisit de l'être. Et comme il choisit de l'être, c'est lui qui emporte toute la responsabilité. Et donc, je trouve que tout ce pont-là, en fait, sur la question de la monstruosité fondamentalement humaine et qui fait écho chez l'Indominus-Raptor est vachement intéressante aussi. Oui, oui, et même, il y a un plan, même plusieurs moments dans le film où... Bayona reprend des gimmicks, des en scène que Spielberg avait mis dans Jurassic Park, notamment le moment où t'as un Maisie qui se cache derrière un meuble du musée en observant du point de l'angle Monsieur Eversole, incarné par Toby Jones, et Limits, qui sont en train de parler d'affaires et tout. Et en fait, c'est un plan qui ramène au plan de Tim qui observe dans le coin de l'angle de la cuisine le raptor qui arrive à la porte. Donc, il renoue avec un plan terrifiant qu'on avait dans le premier Jurassic Park, où on se disait, punaise, le monstre, en fait, c'est le dinosaure. Non, non, le monstre, c'est l'humain. Et c'est ce que l'homme fait de la génétique qui amène, du coup, à de la monstruosité. La science, quand elle est utilisée à bon escient, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quand l'homme se laisse emporter dans ses soifs de pouvoir et d'argent, ouais. Ouais. De se prendre pour Dieu. Qui amène du coup à des dérives génétiques totalement monstrueuses et impardonnables. L'Indoraptor, on n'en a pas parlé, il reprend un autre gimmick du premier Jurassic Park, la grille qui tapote au sol du Velociraptor. Dans le premier, c'était juste le raptor, alors on peut se dire c'est peut-être introduit un peu trop anthropomorphisme, parce qu'en gros c'est le raptor qui s'agace, on va dire, à ne pas trouver les enfants. Moi, je pense tout simplement que c'est le raptor qui, pour le plan, il avait envie de faire ça, et du coup, c'était une manière pour Spielberg, dans ce plan-là, d'attarder le regard du spectateur sur la griffe pour ramener à ce que Alan Grant disait au début du film. Donc, en gros, on appuie sur une synecdoque préalablement placée, sur un mouvement, en fait, et un petit bruit. C'est l'aileron c'est fondamentalement oui. L'aileron des dents de la mer, hein, pour le coup, hein. C'est ce genre d'aussi de pour le coup de synecdoque qui permettent aussi de symboliser la créature dans son entièreté et tout ce que ça pose aussi de charges terrifiantes pour le coup ici quand il raconte à l'enfant effectivement que cette griffe permet d'ouvrir pourquoi pas le ventre de sa victime qui va déverser ses intestins, etc. Donc c'est ce qui pourrait arriver aussi aux enfants s'ils étaient capturés par la créature, si je puis dire. Et c'est ce qui se passe, et ça nous, en fait, ça nous, en plus, ça renforce, en fait, une terreur qu'on a pu avoir préalablement, où on a assisté brièvement à la mise à mort de Robert Muldoon. Oui. Du coup, on imagine, du coup, ce qui venait de se passer à l'instant juste avant, en fait. Oui, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend, du coup, cette limite pour l'Indoraptor, pour renouer avec l'idée du Vélociraptor, que l'Indoraptor n'est en fait une dérive excessive du Vélociraptor. Et pourquoi lui, en fait, il fait tout le temps ça? C'est pas qu'il est contrarié, c'est pas une volonté de jouer sur une synecdoque appuyée à fond. C'est parce qu'on nous a appuyé préalablement dans le film qu'il est un prototype. Un prototype qui n'est pas fini. On le voit à plusieurs moments, il a des problèmes au bras, il a le bras qui tremble pour rien, il a le dos qui frétille, et il a le doigt de la griffe de la patte arrière, tapote quasiment continuellement. Mais c'est pas intentionnel, c'est un problème nerveux qu'il a, en fait. Du coup, ça renforce encore plus le côté monstrueux de la créature et le fait que cette monstruosité n'est qu'un prototype, n'est qu'une imperfection, on va dire, qui est menée à être améliorée par la suite. Donc, ça renoue avec ce que je disais, par exemple, dans Jurassic Park 3, si on doit renouer avec une idée qu'avait été mise en place dans Jurassic Park 3 et qui n'avait pas été traitée, malheureusement, le fait qu'on avait vu dans Jurassic Park 3 les labos et notamment tous les embryons de dinosaures qui étaient mort-nés, du coup, amenant à l'idée qu'en fait, ce sont des êtres qui, parfois, naissaient
et qui mourait instantanément parce qu'ils n'étaient pas fiables, et qui du coup menait les généticiens d'une gène à pousser les délires génétiques pour tout le monde pour essayer de créer des êtres fiables le plus possible en fait. Et là, en l'occurrence, on a l'Indoraptor qui est une incarnation en fait de ce Frankenstein de la génétique, en fait, tout simplement. C'est la vraie créature de Frankenstein, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, effectivement, on pouvait assimiler ça au mythe de Prométhée, Jurassic Park dans sa globalité, effectivement, que les dinosaures étaient ces créatures de Frankenstein. Là, pour le coup, en réalité, la vraie créature de Frankenstein, c'est cet amalgame, ce patchwork de créatures, en fait, qui est la base de la créature de Frankenstein, c'est effectivement l'Indominus Raptor. Et c'est en plus ce qui va renforcer, c'est intéressant, parce que l'Indominus Raptor et au passage les êtres humains qui sont monstrueux, c'est ce qui pour moi en fait va énormément légitimer notre soulagement dans une certaine mesure de spectateur lorsqu'il y a libération des dinosaures. C'est-à-dire que les dinosaures, à l'exception de l'Indominus Raptor qui est un monstre, et des êtres humains qui les emprisonnent, qui sont aussi des monstres, il apparaît nécessaire qu'il soit libéré, et nous, spectateurs, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, j'ai un soulagement aussi quand Maisie appuie sur le bouton pour les sauver, c'est-à-dire que pour le coup, ils ne sont plus, à partir de là, ils ne sont plus les antagonistes en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé le véritable antagoniste, qui est l'Indominus Raptor, et les êtres humains, et là c'est très clairement posé, et les victimes, ce sont ces pauvres dinosaures finalement, qui dans une certaine mesure ont été reposés à une époque qui n'est pas la leur. Et là, ils en deviennent les esclaves et les tristes victimes, parce qu'en plus, là, ils sont... Jusqu'alors, ils étaient quand même dans un milieu, tu le disais tout à l'heure, avec la question du volcan, etc., dans un milieu qui était assimilable au leur, ou en tout cas proche du leur. Là, on les en extrait, et on les met dans un cadre qui n'est absolument plus le même, qui est le cadre typiquement humain et technique. Donc, leur libération est un soulagement et est totalement légitime, narrativement, par rapport à tout ce qui a été construit à côté, vis-à-vis de la figure du monstre humaine et vis-à-vis de la figure du monstre de Frankenstein, qu'est l'Indominus Raptor. Oui, et sans pour autant dire qu'il fallait les libérer, parce qu'en fin de compte, ces êtres, comme on le dit, n'ont pas leur place dans notre monde. Tout à fait. Et c'est là que j'amène à une... On va dire, ce que j'espère, ce qui sera traité dans le prochain film, le fait que l'introduction de façon totalement hasardeuse et non naturelle de ces animaux-là va mener à des catastrophes écologiques. On verra dans le prochain film, mais j'espère en tout cas que c'est ce qui sera traité. C'est ce qui est le cas dans les bouquins de Crichton, je le dis au passage. Donc j'espère que Trevorrow ne va pas nous faire le coup des dinosaures pour arriver à trouver leur veste dans le monde. Pour moi, ça serait totalement contre-productif. Et qu'on arriverait à vivre en harmonie avec eux, ce qui serait la grosse erreur. Et oui, c'est ce que je crains, et j'espère qu'il ne fera pas ça. C'est que, autant, bon, l'extinction des humains, parce qu'il y en a certains qui pensent que ça va finir en mode planète des singes avec les dinosaures qui vont reprendre le contrôle de la Terre. J'ai un peu du mal à croire. Mais, si jamais, il veut traiter les dinosaures qui essaient de reprendre leurs aides dans ce monde, on montre qu'il y a des conséquences néfastes, quoi. Parce que quand bien même, du coup, comme tu dis, on peut comprendre le geste de Maisie, on peut comprendre son acte purement instinctif, purement innocent qu'elle a à la fin, il n'empêche, comme le dit Malcolm, nous avons faussé le cours de l'histoire naturelle, les laisser mourir sur l'univers aurait été une correction totalement légitime. Et malheureusement, c'est pour ça que j'ai lu beaucoup de gens dire que c'est un film écolo-extrémiste, poète, machin, je ne sais quoi. Pas du tout. Parce que concrètement, on nous montre quoi dans ce film? C'est que la volonté de vouloir sauver les dinosaures n'a mené qu'à des catastrophes. Et quand bien même on s'était dit, par exemple, que oui, mais là, c'est faussé parce que, du coup, cette expédition a été trafiquée par les gars de Nils, qui du coup ont dégagé la mission pour les ramener sur le continent, qui n'était pas prévu, parce qu'à l'origine, ils devaient aller dans un sanctuaire idéal, on va dire, idéal pour les dinosaures pour qu'ils puissent vivre. Eh ben, oui, peut-être. Peut-être que si ça avait, il n'y avait pas eu de problème, on les aurait amenés sur cette île-là. Mais ce n'était que reporter le problème qui aura lieu fondamentalement un jour, qui est que tôt ou tard, des gens allaient vouloir exploiter cette île et exploiter ces dinosaures. Donc, si on doit donner un intérêt à Jurassic Park 3, Jurassic Park 3, c'est ce qu'il nous montrait, c'est que dans le monde perdu, on nous disait que cette île était mise en quarantaine, ce qui n'a pas empêché des clowns d'aller vouloir faire des sur l'île, tout ça. Enfin, finalement, l'île n'est pas si sécurisée que ça, et même si elle est sécurisée, tôt ou tard, des gens qui n'auraient aucun scrupule de vouloir se réapproprier ces animaux l'auraient fait quoi qu'il arrive. Donc en fait, la mission que l'on voit de Nice arrive maintenant, mais elle aurait pu totalement arriver sur le sanctuaire que Longwood avait prévu de faire en fait.
D'ailleurs, le fait qu'il y ait des responsabilités par rapport à ça, que sauver Lindor ne soit pas une bonne chose, en fait, c'est très clairement montré au début. C'est-à-dire que tout le groupe duquel Claire fait partie, ils sont montrés comme des individus aussi très naïfs qui vont sauver un petit peu par naïveté les dinosaures sans savoir qu'il y aura des conséquences et que leur acte aura... Ils auront une responsabilité parce que leurs actes auront des conséquences aussi. C'est des sauvetages. Ils ne sont jamais montrés comme des héros qui vont sauver les dinosaures. Non, pardon, mais plutôt comme des... À la fin, Claire a compris que les dinosaures n'avaient pas leur place et que la situation dans laquelle ils étaient là, c'est-à-dire enfermés dans le manoir, mais que si on ouvrait la porte, ils avaient le champ libre sur le continent, littéralement, ben, il ne fallait pas les virer. Et du coup, au moment où elle s'apprête à appuyer, Owen lui dit, fais gaffe, on n'est plus sur une île. Fais gaffe aux conséquences de ton geste. Mm. Et elle finit par refuser d'appuyer, de les laisser se faire gazer, littéralement. C'est terrible dit comme ça, mais la situation la plus appropriée aurait été de les laisser venir. Et c'est notre regard à nous aussi, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue sur cette attraction répulsion qu'on a pour le dinosaure, parce que nous, spectateurs, on a cette empathie, et à terme, moi, je trouve qu'on est effectivement soulagé de les voir sortir et de les voir sauver, dans une certaine mesure, mais c'est justement ce que se questionne le film, c'est-à-dire cette empathie qu'on a vis-à-vis de ces créatures-là, on a une responsabilité forte dessus, et c'est pas parce qu'on a cette empathie-là, pour autant, c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose pour eux qu'on doit le faire forcément. Et oui. Et aussi, on parle du cas de Maisie, mais il faut aussi le rappeler, c'est que beaucoup de gens disent oui, mais là, c'est pas une centaine de dinosaures qui vont poser des problèmes. Ils vont poser des problèmes, certes minimes, mais ils vont poser des problèmes quand même, comme je peux dire. Mais le vrai danger aussi, c'est que au moment où Malcolm dit, du coup, on arrive dans un monde jurassique, enfin, c'est pas, faut pas le prendre d'un pied de la lettre en mode, oh mon dieu, les dinosaures vont arriver à se reproduire et à communiquer la Terre à supplanter l'espèce humaine, ouais. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'était que la puissance génétique fait qu'elle a été libérée, littéralement, parce qu'on voit tous les gars des enchères partir à droite et à gauche avec leurs propres dinosaures et aussi avec leur mallette génétique, montrant qu'ils vont pouvoir, à partir du prochain film, créer dans leur propre labo leurs dinosaures. C'est d'ailleurs ce que craint Henry Wu lors des enchères, parce que, encore une fois, le film ne blâme pas la science pour tous ses travers, elle blâme quand elle fait des excès irrationnels. Parce que Henry Wu, il est montré comme quelqu'un qui a quand même une certaine conscience de ce qu'il fait, notamment quand Elimis, totalement aveuglé par son appât de bien, décide de mettre en vente l'Indoraptor prototype. Et justement, Henry Wu, là, il faire les pédales, il va le voir et lui dit qu'est-ce que vous faites, parce que même n'est pas à vendre, il fait non, on s'en fout, on pourra en créer d'autres. Mmh. Mais oui, mais le problème c'est que l'acheteur pourra le faire aussi. Oui, tout à fait. Donc, et là, pour le coup, on verra dans Dominion, mais pour le coup, ça serait intéressant de voir si le personnage aura une vraie remise en question. J'attends pas une réhabilitation, j'attends pas ça d'Henri Wu, mais qu'il prenne véritablement conscience de ce qu'il a fait et fait mal, en fait. Pour le coup, je ne serais pas content.